Citoyenneté, ja, wir haben ja kein richtiges deutsches Wort dafür, aber für mich beinhaltet das Wort Citoyenneté zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist wirklich die Teilnahme und auf der anderen Seite ist für mich aber auch die andere Dimension wichtig, die politische Dimension, das heißt, dass man wählen geht. Also für mich ist es definitiv das Abstimmen können. Also das ist eigentlich die Hauptsache vom Bürgersein oder Citoyenneté. Und ich denke, in der Schweiz macht das auch den grössten Teil aus von dem. Pour moi, c'est vraiment une question de participation, en fait. Soit une participation politique, si on en a la possibilité, ou bien peut-être des participations à un niveau plus associatif, plus local. La società a livello proprio di nazione intende la cittadinanza come appartenenza alla nazione, come diritti politici, sociali, civili. Trovo che dal momento che una persona vive in un posto, partecipa, contribuisce in diversi modi. L'idea è più d'apprendre a s'en servir piuttosto che de l'acquérir. Donc c'est tout un travail d'apprentissage pour devenir des citoyens vraiment actifs. Man kann die Definition der Interviewten nicht wirklich noch mehr vervollständigen. Sie haben alle wichtigen Punkte genannt. Es geht um Teilhabe, es geht um Aneignung von Kompetenzen, es geht um Gestaltung, es geht um Mitbestimmung und es geht letztlich auch um sich mit einbringen in eine demokratische Gesellschaft. La participation politique en Suisse, elle est essentielle. C'est qu'en participant au processus de prise de décision qu'on peut avoir un impact sur notre environnement, sur la société dans laquelle on vit, sur son organisation. Or, il se trouve que près d'un quart de la population suisse est exclue de ce processus démocratique parce qu'il faut avoir la nationalité suisse pour avoir les droits politiques formels. Per me la cittadinanza è molto importante in una democrazia perché esprime quello che è il concetto di eguaglianza, l'idea che siamo tutti uguali, siamo tutti cittadini, indipendentemente dal ceto sociale, dalla lingua che parliamo o dalla religione. La Commissione federale per le questioni di migration è d'avis che l'ensemble della popolazione dovrebbe poter s'impliquer dans des processus décisionnels e partecipare all'organizzazione della società. Pour encourager cette participation et pour l'ouvrir à une population la plus large possible, elle a décidé, à travers du programme Citoyenneté, de soutenir des projets qui découvrent, qui cherchent des nouvelles voies de participation. Il s'agit de mettre en place des projets innovants qui permettent de s'impliquer dans le processus politique. Pour pouvoir participer, ce qui est essentiel, c'est de savoir où on peut participer. Quelles sont les possibilités, quelles portes sont ouvertes. Je me suis arrêté parce que je trouvais ça d'abord bizarre de voir un camion là. Après, j'ai un peu discuté avec et ils m'ont dit qu'on avait les étrangers aussi un droit de vote et je trouve que c'est très bien.
Nous avons conçu un projet qui a différents volets, dont le bus citoyen, dans le but d'aller vers, justement, dans un souci de proximité, d'aller dans les quartiers de la ville de Lausanne, d'aller vers les citoyens, là où ils sont, devant les surfaces commerciales, dans les parcs, devant les centres de loisirs, dans l'idée de mieux faire connaître les droits politiques. Ça montre qu'on n'est pas mis à l'écart, on vient vers nous. Parce que des fois, c'est l'exercice que nous, on ne pouvait pas faire. Hein. Des fois, si j'étais à la maison, on me dit « va là-bas pour aller voter », tout seul sans information, je n'allais pas venir. Hein. Moi, si on ne me dit pas ça, je ne le sais pas. Parce qu'on voit des fois beaucoup qu'on n'a pas le droit de voter. Et puis là, je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse voter. Nous aussi. Les lois qu'on vote me concernent aussi, même si je suis étranger, je vis en Suisse, je ne vis pas dans mon pays. Ça me donne aussi l'envie de voter, de m'engager dans la ville de Lausanne. À Lausanne, on a la chance qu'il y ait un consensus politique de la droite à la gauche pour dire justement que l'administration doit faire du travail d'information sur ses droits politiques, puisqu'on part du principe que c'est très beau de donner des droits, mais encore faut-il informer sur ses droits pour que les citoyennes, les citoyens puissent en faire usage. Donc c'est important de faire connaître les droits, comme c'est important de faire connaître les prestations sociales, les prestations culturelles, les prestations sportives. On est vraiment dans un souci de proximité et aussi dans un souci de citoyenneté. Albinfo.ch est un projet novateur dans le sens qu'il propose des informations trilingues au service de l'intégration des populations migrantes, mais aussi du développement de leur pays d'origine. Pour ce faire, Albinfo organise son activité à travers différents supports. Tout d'abord, elle informe de manière quotidienne la population albanophone, mais aussi les Suisses, sur l'actualité suisse, l'actualité politique suisse, mais aussi sur les liens que la Suisse développe de manière régulière avec les pays des Balkans. Son activité ne s'arrête pas là. Albinfo produit de manière régulière des émissions télévisées, une qui s'appelle Diversité et l'autre In and Out. Parallèlement, Albinfo.ch publie tous les mois une revue trilingue qui a pour point de mire la participation politique en Suisse. Et last but not least, on crée l'événement avec des débats, des tables rondes et un événement annuel sous des thèmes qui peuvent varier, mais qui ont ce souci de mettre ou d'impliquer les populations migrantes dans la vie et dans l'actualité politique suisse. Essere cittadini di un paese comporta tutta una serie di cose, in particolare dei diritti, ma anche dei doveri. Quello che però è molto importante è che attraverso la cittadinanza la persona si sente parte della società, si sente integrata in una società e questo è importantissimo per far funzionare la democrazia e la società stessa. Sich zu informieren ist sehr wichtig. Jede Bürgerin, jeder Bürger muss informiert sein über die Geschehnisse in der unmittelbaren Umgebung und weiter hinaus. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man Orte hat, in denen mitgesprochen werden kann, in denen Meinungen gemacht werden können, in denen Meinungen auch ausgetauscht werden können. Darum ist Mitsprache in diesem Sinn ein wichtiger Faktor für die demokratische Selbstgestaltung moderner Gesellschaften. Vorstellen. Lundi, on va avoir une présentation où on peut présenter la charte à beaucoup de gens qui viennent. Speak Out, c'est un projet mené par le Conseil suisse d'activité de jeunesse qui vise à travailler autour de
la possibilité de donner la parole aux jeunes mineurs non accompagnés. Wir machen viele Infoblöcke zum Thema, eben, wie funktioniert der Asylprozess, wie funktioniert die Schweizer Politik, weshalb müssen sie überhaupt einen Asylgesuch stellen, wer entscheidet darüber. Oft haben sie auch Fragen zu, weshalb es in Kantonen so unterschiedlich funktioniert. Ich glaube, das Projekt Speak Out ist etwas sehr Gutes. Es ist ein Regroup d'abord. À explorer nos situations et voir, comprendre nos droits, nos devoirs, pouvoir nous exprimer et demander ce qu'on aimerait avoir ou que améliorer nos conditions de vie. Eh bien, es gibt einfach ein paar Gründe, dass ich hier bin, wegen einfach die Regeln kennenzulernen, ob die man einfach in der Schweiz ist. Einfach wie die Wege sind und man kann einfach einen Weg zu finden. Dans le projet Speak Out, des jeunes mineurs non accompagnés se sont réunis à plusieurs reprises. Ils ont échangé sur leurs conditions de vie en Suisse, sur leur situation particulière, et ils ont élaboré une charte. Et ce qui vraiment est le point culminant de cette concertation, c'est que cette charte, elle a ensuite été présentée publiquement. Et ces jeunes, ils se sont forgés une opinion. Et ils l'ont vraiment exprimé publiquement. Et c'est ça la concertation. Le concept de l'année, c'était la charte. Et c'est eux qui ont choisi les thèmes. Un des thèmes qu'ils ont choisi, c'est 18 ans et après. Le cadre légal aujourd'hui veut que, dès le moment où un jeune a 18 ans, eh bien, il perd la protection. Et eux-mêmes disent, mais finalement, c'est monstrueux d'être confronté à cette date des 18 ans, parce que nous, on sait que le château s'écroule à ce moment-là. On a fait un camp qui était en fait le cœur du travail, et pendant ce camp, on avait une vingtaine de jeunes. Les mineurs non accompagnés restent une population qui est méconnue, je dirais, pour la plupart des personnes en Suisse. Tout enfant doit pouvoir être entendu concernant sa situation et concernant son état. Essere cittadini non significa soltanto votare, ci sono anche cittadini che non votano, ma sono anche loro uguali a tutti gli altri. E per questo motivo essere cittadini è importante perché esprime questa idea che siamo tutti uguali, siamo uguali davanti alla legge e viviamo in uno stato di diritto che protegge i nostri diritti fondamentali indipendentemente dalla nostra origine, dal sesso, dalla lingua, dal ceto sociale o da altri fattori che ci differenziano. Questo è un Aufruf zur Solidarität für alle Frauen, Hausfrauen, Sexarbeiterinnen, Studentinnen, Migrantinnen. Also Maximum Theater existiert seit 2007. Also wir sind jetzt im achten Jahr. Die Ziele des Maxim-Theaters, das ist, wir sind ein Theater, das auch sozial ist, auch integrativ ist und auch Kultur ist. Nos sujets, nos thèmes de spectacles, ce sont tous les thèmes actuels de la politique ou de la vie ici en Suisse. Die Produktionen, die wir machen, sind jeweils meistens in dem Jahr Thema. Also sie sind sehr präsent in den Zeitungen und es wird viel darüber geschrieben und auch die Medien setzen sich damit auseinander. Ich bin erst seit 6 Monaten hier in der Schweiz. Ich kann schon nicht. On essaie de mettre les choses sur la table. On essaie de mettre plus ou moins à nu les thèmes et à un niveau où tout le monde peut vraiment s'informer et puis aussi avoir un œil sur ce qui se passe. C'est une grosse Möglichkeit für viele Ausländer, Theater zu spielen, Musik zu machen, also allgemeine Kunst. Und in der politische Richtung auch. Der komische Gesehen, die alleine gesprochen haben. Maxime m'a vraiment, vraiment aidé d'acquérir l'allemand. Et en plus, cette sensation de se dire que oui, je vis ici, de commencer à comprendre
comment ici ça fonctionne. Beginnen Sie in die Materie einzutauchen. Also das heißt, Flüchtlinge, von wo nach wo gehen sie, woher kommen sie, was spielen sie für eine Rolle, was bedeutet Sans-Papier oder was bedeutet ausgewiesen werden, wann kann man ausgewiesen werden, wann kann man nicht ausgewiesen werden, was habe ich für Rechte. Also sie sammeln extrem viel Informationen und Wissen und können das wiederum raustragen in die Realität. Es ist eine gute Möglichkeit zu spielen, Sachen zu vermitteln, eine Geschichte erzählen für die Leute, die auch keine Stimme haben hier in der Schweiz. Cette possibilité d'exprimer son avis publiquement et de forger l'opinion publique peut prendre vraiment beaucoup de formes, en fait. Et on peut vraiment imaginer des façons tout à fait innovantes de le faire. Par exemple, dans un film qui serait conçu de manière participative, où donc les personnes qui sont impliquées dans l'élaboration du film vont pouvoir le construire ensemble, se forger une opinion et l'exprimer. Et si ensuite ce film, il est projeté publiquement et que ça donne lieu à un débat public, à une discussion, à des échanges d'avis, eh bien ça c'est de la concertation et ça c'est la possibilité d'exprimer son avis publiquement par une voix qui est artistique et tout à fait participative. Unser Projekt ist eigentlich eine Antwort auf eine Situation. Und zwar ist die Situation die, dass es in den Schweizer Medien meistens keine afrikanischen Migrantinnen oder Migranten hat, die selbst für sich sprechen. Es gibt immer andere Leute, die für sie sprechen. Einerseits hat man ein Projekt, das nicht nur über Afrikanerinnen und Afrikaner ist, sondern mit ihnen arbeitet. Also es ist ein Projekt der afrikanischen Diaspora. What? You mean I'm a millionaire? Für uns ist Paradise in my mind eine Möglichkeit, die afrikanische Perspektive einer Öffentlichkeit zu zeigen. Und es ist wichtig, dass Afrikanerinnen und Afrikaner in der Schweiz die Möglichkeit haben, ihre Ideen, ihre Erfahrungen, aber auch ihre Sorgen und ihre Träume öffentlich zu zeigen und zur Diskussion zu stellen. Es geht also auch um die Interaktion, nicht nur der Film selber, sondern dann auch die Interaktion, die entsteht durch den Film. Und da hoffen wir, dass wir einen Einfluss haben auf die öffentliche Meinung und dass Leute eben auch mitdenken und Fragen stellen können. Why did you actually choose Switzerland as your destination? Unsere Zusammenarbeit, also das heißt die Zusammenarbeit zwischen African Mirror Foundation und mir als Doktorandin von der Universität Bern, begann bereits im Sommer 2011 und wir haben zusammen das Projekt entwickelt und haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht genug ist, wenn nur wir zusammenarbeiten, sondern dass wir mehr Leute brauchen, die zu uns kommen und die mitmachen und uns helfen, das Projekt zu entwickeln. Wir hatten deshalb auch eine Skriptkonferenz, wir haben deshalb auch ein Casting gemacht und es sind immer mehr Leute dazugekommen und immer mehr Meinungen und wir haben versucht, das ins Projekt zu integrieren. Paradise in my mind ist unser Titel, weil wenn man etwas Neues beginnt, dann hat man immer die Hoffnung, dass es besser wird, dass man etwas Besseres findet. Und wenn man Migrant ist und in ein anderes Land geht, dann hat man auch die Hoffnung, ein besseres Leben zu finden. Und das Beste, was man finden kann, ist halt ein Paradies. La cittadinanza concerne tutti, sia gli svizzeri che gli stranieri. Anche uno straniero in fondo è cittadino di un qualche stato. Certo, sarebbe auspicabile dal mio punto di vista che anche gli stranieri che vivono in Svizzera ottengano maggiori diritti, in particolare il diritto di voto, ma anche se ciò non dovesse succedere, è importante mantenere anche per loro la dignità che è legata
all'idea della cittadinanza indipendentemente dallo stato di cui sono cittadini. Il faut savoir que l'information n'est pas une finalité en soi. L'information n'est qu'un instrument qui permet à la population migrante de s'informer, certes, mais surtout de se forger une opinion, de s'inspirer, de comprendre le système dans lequel elle vit pour qu'à son tour, elle puisse influencer cette opinion publique. La citoyenneté, qu'est-ce que c'est ? La citoyenneté, c'est aussi de pouvoir sensibiliser les populations migrantes et les conscientiser du rôle qu'elles peuvent avoir, et non pas uniquement être considérées comme des sujets d'actualité, mais qu'elles deviennent aussi comme acteurs d'actualité. En valorisant le rôle des personnes issues de la migration, Albafo.ch contribue à rendre compte du potentiel, du réel potentiel de cette population migrante en faveur du pays d'accueil. Ce projet d'Albafo vise donc à travers l'information à mettre en relation des acteurs, du myriade d'acteurs qui viennent d'univers socio-culturels différents, afin justement de créer le débat, susciter des débats, ouvrir des pistes nouvelles et surtout impliquer les populations migrantes à se faire une opinion et à faire usage aussi de cette opinion de la vie dans l'actualité politique suisse. Natürlich ist die Information wie auch die Mitsprache wichtig. Sie sind die Pfeiler eigentlich demokratischer Gemeinwesen. Man muss, um mitmachen zu können, partizipieren zu können, kompetent sein und informiert sein. Aber das genügt natürlich nicht. Agent veut dire agir, être acteur, être auteur d'une démarche qui sert à promouvoir la qualité de vie dans un quartier, dans une commune. J'ai trouvé que c'était un projet qui était formidable parce qu'il allait à la rencontre des citoyens et il faisait vraiment cohabiter les personnes qui étaient de souche et les personnes qui étaient nouvelles. J'ai fait suite à une invitation du centre animation pour venir présenter la police de proximité aux agents sympas qui suivent des formations continues. J'ai appris par le fait que les agents sympas, c'est un petit peu le lien entre les autorités et puis les citoyens. Donc là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de dire en face les choses au pouvoir politique. C'est pas facile des gens de comprendre police locale, police cantonale, police... On est attentif à dire effectivement on a pris le nom d'agents sympas, mais ce ne sont pas effectivement des agents de police, c'est des citoyens. Ces agents sympas suivent une formation qui leur permet justement d'avoir les outils nécessaires pour aller au contact de la population. Au milieu de la formation, j'étais dans un restaurant bistrot à Bulle, et il y a un couple qui commence à se disputer, puis vraiment violemment et tout ça. Et puis grâce à cette formation, je ne sais pas pourquoi, je suis intervenu. Et puis ça s'est calmé comme ça, assez tranquillement, quoi. Ben, si j'aurais pas fait le cours, eh ben, j'aurais clairement rien dit, je serais clairement changé de... Je serais parti, et puis voilà, quoi. Cette démarche, finalement, d'aller vers, d'aller proche des gens, on parle de citoyenneté, on parle d'intégration, on parle plein de choses. On voit dans les personnes qui se forment, on a des personnes de différents horizons, on a des employés communaux, on a des personnes qui viennent d'arriver, on a des personnes issues de la migration, on a des personnes qui sont des personnes suisses depuis longtemps et tout. Et puis après, il y a un échange et il y a une dynamique. C'est cette idée d'aller vers les gens, d'aller à la rencontre des gens avec un esprit d'ouverture. Et puis la deuxième idée, c'est d'être pour quelque chose au lieu d'être contre quelque chose. Au lieu de créer des commissions contre la violence des jeunes, c'est de créer des espaces où quelque chose se passe pour promouvoir la rencontre avec les citoyennes et les citoyens. La cittadinanza non solo soltanto i diritti, che sono molto importanti, ma la cittadinanza è un concetto molto più ampio, molto più largo, include per esempio anche quello che è il nostro
senso di appartenenza alla società nella quale viviamo, quindi sentirsi integrati, sentirsi riconosciuti come persone, questo è anche molto importante. Das Projekt, von dem ich sprechen möchte, ist das Projekt Quartierentwicklung Ziegelhof, das von der EKM unterstützt wurde. Es ist die Entwicklung eines, die partizipative Entwicklung eines, eines Spielplatzes in einer kleinen Siedlung, gemeinsam mit verschiedenen Akteuren, mit der Bevölkerung, mit den Bewohnerinnen, Liegenschaftsbesitzern des Staat und so weiter. La co-construction, en fait, c'est vraiment ça. C'est de participer ensemble à élaborer un projet dans lequel on va pouvoir participer. Et c'est aussi pouvoir mettre en place ensemble des mesures qui vont perdurer au-delà du projet, qui vont influencer la sphère publique. Typiquement, faire une place de jeu, c'est la faire ensemble. Et c'est quelque chose qui a vraiment un impact sur l'environnement et sur les gens qui vivent à cet endroit. An mich persönlich hat das bezweckt, dass ich eben auch mit meinen Kindern in, an diesem Tag dabei war. Ich habe gesehen, wie meine Kinder etwas zu Ende gebracht haben. Zum Beispiel mit der Schaufel zusammen mit der Mutter oder mit dem Vater zusammenzuarbeiten. Und man hat gemerkt, viele von unserer Kultur, von unseren Eltern vor allem, sind so bei der Sache dabei. Sie hatten Freude, mit den Kindern etwas zusammen herzustellen. Der Bezug, der klare Bezug ist durch eben den Einbezug der, der Leute, die lernen, wie man im Planungsprozess einbezogen wird und die am Ende diesen Spielplatz erleben als, als etwas von ihnen. Es ist ihr Spielplatz, die Kinder und die Eltern fühlen sich gut, wenn ihre Kinder auf diesem Spielplatz spielen. Und sie haben dadurch viel gelernt und die Qualität, die Lebensqualität im Quartier ist dadurch besser geworden. Auch unter den Eltern ist die Kommunikation größer geworden. Man kennt hier im Quartier alle Leute. Aber an diesem Tag hat man verschiedene Gespräche durchgeführt und am Schluss haben wir so wie ein Fest gemacht und jeder brachte etwas von ihrer Kultur und dann hat man auch da Kontakt, Kommunikation, Kontaktverbundenheit und ja. Die Summe dieser verschiedenen Vektoren, sich zu informieren, Mitsprache zu üben, mitzugestalten, mündet letztlich in die Mitentscheidung, die Mitbestimmung moderner Gesellschaften, wo das ganze Wissen, das Wissen auch über die Prozeduren eingebracht werden kann in das Treffen von Entscheidungen. Das wäre quasi die Spitze eigentlich demokratischer Beteiligung, so dass man sich einbringt, die eigenen Angelegenheiten in diesem Sinne auch realisieren kann, mit anderen gemeinsam. Finalement, devenir un citoyen actif qui s'engage pour l'organisation de la société, c'est tout un processus. Il faut s'informer, il faut connaître les possibilités concrètes d'action, il faut pouvoir se créer une opinion, l'exprimer à l'extérieur, échanger, pouvoir construire ensemble des mesures qui vont influencer le cadre dans lequel on vit. Mais le couronnement, en fait, de tout ce processus participatif, de tout ce processus politique, c'est de participer à la prise de décision. Es ist so, also wir beschäftigen uns in sämtlichen Theaterstücken, die wir machen, mit aktuellen Themen. Dann gibt es Leute, die tatsächlich sich über die Theaterproduktion nachher in Vereinen engagieren, also dort aktiv werden. Il faut essayer aussi de penser à vos enfants, à
Donc ils peuvent poser cette charte face aux autorités, ce qui est le résultat, le grand résultat de 2014. Nous sommes dans un processus participatif. Donc aujourd'hui même, vous avez vu que c'est surtout les jeunes qui sont sur scène, c'est les jeunes qui présentent, les jeunes qui parlent. On s'est dit, ok, on a cette charte, qu'est-ce qu'on veut faire par la suite? Et leur demande, c'est de réussir petit à petit à s'adresser à la population en Suisse. Und das Medium Film ist ein Medium, das alle Leute ansprechen kann. Und deshalb haben wir Paradise in My Mind halt auch als Filmprojekt, das aber auch möchte, dass Leute eben sich Gedanken machen und dass es einen Austausch gibt, dass es Kommunikation gibt, dass es Interaktion gibt zwischen den Leuten, die beim Projekt mitgearbeitet haben und Leuten, die den Film schauen. Pray for positive results. Je crois que la ville, comme le canton ou même la Confédération, hein, quand il y a une participation des citoyennes et des citoyens, eh bien, ça rend la démocratie plus forte. Et ce n'est pas rien quand on compare à d'autres pays. Je crois que ce que la Suisse a de plus fondamental. Dans le cadre du programme Citoyenneté, ces dernières années, la Commission fédérale pour les questions de migration a soutenu 60 projets innovants qui explorent des nouvelles voies de participation. 60 projets, c'est génial. Et maintenant, sur cette base, on veut aller plus loin encore. Parce que la Commission fédérale pour les questions de migration souhaite vraiment que la plus grande part possible de la population puisse s'impliquer et puisse être reconnue comme citoyen. Et pour ça, on souhaite recevoir très bientôt une multitude de projets innovants des quatre coins de la Suisse. Thank you.